Gloire à Dieu. On est dans cette douce, agréable présence du Seigneur, ce Dieu tout bon, ce Dieu qui connaît les besoins de ses enfants, qui connaît les besoins de son peuple. Ce que tu traverses en ce moment même ne lui est pas indifférent. Ce beau rendez-vous autour de la table à chaque samedi soir de 9h du soir jusque vers 10h, c'est un moment de grâce, un moment de ressourcement, un moment de transformation, un moment où notre Dieu veut agir et il le fera pour toi, pour un proche, pour un membre de la famille. Que le Seigneur te touche, qu'il nous touche. Donc, bienvenue, bienvenue. Prends le temps de partager les liens avec un membre de la famille, avec un ami, avec des proches. Et croyez que le Seigneur veut les toucher. Ils sont peut-être à un clic d'une délivrance. Profitons de ce temps merveilleux. Et notre âme soupire après Dieu, après ce qu'il est, après ce qu'il veut accomplir dans la vie. Alléluia. Bienvenue, 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 bienvenue. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comme un cerf altéré brame après le courant des eaux, ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux, et la soif du Dieu s'écrit en le suivant. Ô mon Dieu, quand donc sera-ce que mes yeux verront ta face? Au pain, je n'ai que mes larmes, et nuit et jour en tout lieu. Il sera loué de moi.
quel chagrin te dévore. Mon âme, rassure-toi. C'est ce que nous dit le psalmiste, c'est ce que nous dit l'enfant du Seigneur. Et c'est important de pouvoir chercher la face de Dieu, où le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant, quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fait. Pourquoi t'as-tu mon âme? Et gémis-tu au dedans de moi, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Ce soir, espère en Dieu, quel que soit ce que tu traverses, espère en Dieu. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Les nous songer sa bon Dieu en yé, sa bon Dieu en fait, nous qu'a espérer dans lui. Quand nous en rappelons ce que Dieu est, ce que Dieu fait, nous pouvons espérer en lui. À quel carrefour difficile tu te trouves, espère en Dieu. Quels sont les défis énormes que tu confrontes, espère en Dieu. Peut-être que tu es abandonné à des proches. Espère en Dieu. Ton âme est abattue au-dedans de toi. C'est ce que le psalmiste en dit. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitzéar.
Un flot appelle un autre en flot. Au bruit de tes ondées, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Le psalmiste se souvient de ses bons moments, de ses bons moments d'intimité avec Dieu, de ses bons moments de communion avec Dieu, de ses bons moments de ressourcement avec Dieu. Peut-être que tu te rappelles ces moments de communion spéciale avec ton Dieu et tu sens une sécheresse dans ton âme, tu sens une sécheresse à l'intérieur de ton cœur, mais je veux te le dire, espère en Dieu, tu n'es pas oublié par ton rocher, tu n'es pas obligé de marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi. Donc tu sens tous tes os se briser parce que tes persécuteurs t'outragent. Ils te disent sans cesse où est ton Dieu. Donc ils se moquent de toi. Ils te demandent mais comment? Et comment? Et comment? Ah, si Dieu était vraiment bon pour toi, ta situation serait différente. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. Espère dans bon Dieu là. L'abvini et l'a pas agi pour vous. L'abvini l'a pris position pour vous. L'abvini l'a fait belle bagaille pour vous. L'abvenir, espère en Dieu. Peut-être que laisser difficulté la vie. Ça se pourrait que tu as été très égaré, loin de la communion de Dieu, loin de cette relation avec Dieu. Mais le Christ veut te retrouver. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te bénir encore une fois. Parce qu'il y a des gens que tu vas retrouver ce soir. Tu vas les retrouver pour une œuvre spéciale dans leur cœur. Pour une œuvre spéciale dans leur vie. Seigneur, dans ta grâce extraordinaire. Oui, pardonne, libère. Est-ce que pas t'aimer que mon Dieu libère à soi? Il y a quelques chaînes l'a cassé à soi. Il y a quelques monde prend confiance à soi. Prend confiance à ça. Dossier devant mon Dieu. Retournez dans communion. Retournez dans intimité. Reviens à cette communion avec Dieu. Tu es bien dans cette communion. Tu es bien dans cette intimité du Seigneur. Ne reste pas loin. Alléluia. Alléluia. J'étais égaré à cause de mes péchés, mais Jésus-Christ m'a retrouvé. Il m'a pardonné, oh, il m'a libéré. C'est pourquoi je veux le humilié.
sur le chemin. Je suis heureux car tu vis au fond de moi. Je veux m'abandonner à toi. Mais Jésus-Christ m'a libéré. Il me tient dans sa main. Oh, je suis heureux. Béni soit son nom glorieux. Oh, Jésus, je t'aime parce que tu m'as sauvé. Alléluia.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à son Saint-Nom béni. Soyez touchés en lui, dans sa grâce, par sa grâce. Et c'est un moment où tu peux partager tes requêtes de prière avec toute l'équipe dans les différentes maisons vont prier avec toi ou mettre juste partager avec nous ça ou gagner qui a fait mal, ça ou gagner qui t'est passé ou n'a écrit dans chat là ou prendre comme si en bas live là ou prendre pour petit ou pour un proche ou pour yon famille ou pour yon moun qui entrave nous gen Jésus comprendre nous dans mes que kounyan là levez voir oui papa oui Seigneur merci encore merci pour miséricorde merci pour grâce merci pour compassion qui pas fini merci pour vraiment intervention en bénédiction pour moun kounyan la qui en bas live ça qui partage requête qui partage défi gen moun qui en besoin soulagement nan men kounyan la gen moun papa n'a mande au nom du divin ressuscité cette puissance qui t'a arraché Jésus des entrailles de la mort cette puissance là qui a fait que li sorti vivant avec un corps glorieux. Oui, Seigneur, cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Oui, qu'elle soit là pour tes enfants, agissante en ce moment même pour ceux et pour celles qui veulent s'ouvrir à toi, pour ceux et celles qui veulent expérimenter maintenant un miracle. Nous besoin plusieurs miracles à soi. À la dent yo, Seigneur, à la dent yo, au nom de ce cœur de grâce, en vertu de ton nom béni. Oui, papa, agis pour nous-mêmes, agis. Il y a quelqu'un qui a de l'eau dans les yeux, suis de l'eau dans les yeux, pour tes consolations pour eux. Seigneur, des mounan qui a alité étant main de guérison en sous même des mounan papa qui ont réponse à tendre. Oui Seigneur, c'est moi qui a dit un mot dans situation yo. Des mounan dans moment ça qui esclave qui besoin pour casser chaîne en pou yo. Oui Seigneur, nous poter au bas. Oui, gloire à ton nom en béni. Aidez-nous pendant l'épreuve, nous, pendant la difficulté, nous, pendant ça dépasser nous, pour nous rester dans la foi, pour nous découvrir ce que tu veux déposer dans nos cœurs. Oui, dans ces moments difficiles, ouais, tu es en train de faire une œuvre en nous. Que nous soyons attentifs, papa, à ce que tu veux déposer. Oui, dans cette existence qui est la nôtre, dans quel niveau vous voulez arriver avec nous, côté que vous voulez que oui pas qui promotion spirituelle vous voulez nous prendre dans moment difficile ça yo. Grâce à ton nom béni, nous attendons à de belles choses, à de grandes choses. Par la foi, bien-aimé, dis que bon Dieu est capable. Par la foi, tu peux le dire, mon Dieu est capable. Par la foi, mon Dieu est à l'œuvre. Par la foi, mon Dieu peut me faire expérimenter les meilleures productions du pays. Continuez à faire bon Dieu en confiance. Amen. Quelquefois, les épreuves viennent,
nous demander pour qui nous besoin souffrir que attrister pendant n'a fait si effort nous pour nous servir bon Dieu n'a fait si effort nous pour nous chercher bon Dieu et puis c'est comme un problème non c'est nous le remet difficulté hein ni pas veut quitter nous tête chargée yo fait demeure yo la caille nous n'a demandé tête nous jusqu'à là. Et que de fois, nous ne comprenons pas ce qui a passé. Donc, on nous pas éloigné, pas éloigné. Sauvez-nous, gonle, la permettre nous comprendre pour qui. Mais gagnons travail, gagnons œuvre de grâce. Oui, il y a une œuvre de grâce que le Seigneur veut opérer dans ta vie. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les souffrances, quelles que soient les tristesses. Ouvre ton cœur. Dieu ne va pas gaspiller tes moments difficiles. Dieu, il est en train, si tu collabores avec lui, de te rendre plus fort. Et lui, qu'on ouvre les portes. Gloire à Dieu. Il sait ouvrir des portes. Gloire à Dieu. Les épreuves, yo. Les épreuves, yo. Pour qui
Malgré tout petit effort y a pu fait, yo senti bagay yo noir, yo pas comprendre. N'a mandé ou nan moment ça. Nan moment ça, ba on visite spéciale. En ce moment, nous te demandons une visite spéciale pour ses sœurs, pour ses frères, pour ces bien-aimés qui sont au bout du rouleau, qui sont acculés au pied d'un mur, qui ne savent ni à qui crier, ni à qui aller. Rédempteur admirable, rédempteur capable, nous t'en supplions. Nous savons que tu accomplis des œuvres merveilleuses alors que nous traversons ces vallées de souffrance. Mais nous besoin toucher, nous besoin soulagement, nous besoin que ou faire une intervention dans certains cas, Seigneur. Si oui, nous connaissons le nap comprendre. Que on n'a pas plus clair, mais en attendant, Papa Tout-Puissant, pitié, que quelqu'un cas, cher Seigneur, il nous faut un mot de ta part, il nous faut cette intervention de ta part, ne serait-ce pour qu'à
pour capable kembe nous dans la foi, pour capable kembe nous dans l'intimité, pour capable kembe nous dans la communion, pour capable kembe nous sur route là, pour capable kembe nous cher Seigneur dans traversée, parce que nous senti bac la secouer, nous senti Seigneur bac la prendre l'eau rédempteur admirable. Seigneur, nous senti que nous voulons perdre du pied rédempteur admirable. Souple, descend à main forte et à bras étendu. Dis un mot pour petit touyo. Dis un mot pour Sila qui senti yo dépassé. Dis un mot pour Sila qui a souffri dans le corps, qui a souffri dans la chair, qui a souffri dans le cœur, qui a souffri dans la famille, qui a souffri par tout puissant parce que. Yo senti yo dépassé rédempteur admirable, senti yo dépassé rédempteur capable. Seigneur, nous connaissons mon Dieu de compassion, oui. Nous savons que tu es ce Dieu de compassion, que tu es ce Dieu qui nous comprend, que tu es ce Dieu qui ne nous abandonne pas à nous-mêmes, qui ne nous laisse pas, oui, en ramper dans des douleurs infinies. Tu es ce Dieu qui peut avoir pitié de nous. Tu es ce Dieu qui peut nous relever. Tu es ce Dieu qui peut nous faire expérimenter de nouveaux cieux de grâce et de bénédiction. Tu es ce Dieu qui nous dit en ce moment même, oui, il y a un mot de ta part pour nous. Oui, ami, crois-le, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance, courons dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Que le Seigneur nous donne cette force-là, qu'il nous donne cette grâce-là pour lutter, pour résister. Ah oui, si nous sommes châtiés par le Seigneur, qu'on ne méprise pas le châtiment du Seigneur. S'il nous reprend, que nous ne perdions pas en courage. Oui, le Seigneur, il accomplit une œuvre spéciale en toi, une œuvre spéciale en moi. Donc courage dans le nom du Seigneur. N'hésite pas, si tu veux qu'on prie avec toi de façon tout à fait spéciale, donc tu peux appeler dans le 514-814-68-54, 514-814-68-54. Donc quelqu'un te répondra. Alors, si tu veux que toute l'équipe prie avec toi, l'équipe qui est sur le net dans les différentes maisons, eh bien, tu peux écrire pour nous tes requêtes dans le live et on va intercéder, crier devant le Seigneur pour toi. Donc, continuons. Jésus, nous en relation avec lui. Yon vie pour Jésus, baille la paix, à couillon rivière qui parete, difficulté yon kon vini, mais Jésus là, et ça suffit. Quoi ça? Même si difficulté yon capable paraître en pile, yon capable énorme, bon diable grâce, la aide au servile, la aide au prend courage dans lui-même. Gloire à Dieu. Donc nous disons merci à Sœur Beraka qui a aidé nous encore. Nous vivons pour Jésus.
la paix quand il y a une rivière qui paraît difficulté au convenu, mais Jésus là et ça suffit et de me servir ou plus chaque jour. Yon vie pour Jésus, baille la paix.
quand une rivière qui paraît difficulté au même fini, mais Jésus là et ça suffit. Et d'aime sa vie ou plus chaque jour, pour me rester toujours avec vous. Aimer au Christ plus que jamais, n'en prie pas quitter mes garés. Et d'aime sa vie ou plus chaque jour, avec nous, aimer au Christ plus que jamais, n'en prie pas quitter les garés. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc comprendre ça, comprendre cette profonde théologie. Une vie pour Jésus, avec Jésus, en Jésus, c'est une vie de paix. Une paix qui coule en nous comme un fleuve. Et l'enfant du Seigneur qui est dans cette intimité, cette relation avec Dieu, il sait que les difficultés vont venir frapper à sa porte, que les épreuves ne vont pas l'épargner. Mais puisque Jésus est là, gloire à Dieu, hein, il dit la présence du Seigneur seulement. Ça me suffit, c'est ce que le Seigneur disait à Paul, ma grâce te suffit. Peut-être il y a de ces choses que tu cherches, que tu recherches, mais si tu as la présence du Seigneur, la présence du Seigneur vient avec tout ce qu'il faut. La présence du Seigneur vient avec tous les éléments nécessaires pour ta situation. La présence du Seigneur, ça me suffit. J'aimerais que vous l'écriviez. On nous écrit, vous aimez ça, ça va l'autre monde. Dis la présence du Seigneur, ça me suffit. Ma grâce te suffit, ma grâce te suffit. La grâce du Seigneur est suffisamment puissante pour ta situation. La grâce du Seigneur est suffisamment efficace pour ta situation. La grâce du Seigneur, elle est faite sur mesure pour cette circonstance dans laquelle tu es. C'est pour cela que le secret, c'est de ne pas t'éloigner. C'est de ne pas t'éloigner. C'est de rester dans cette communion du Seigneur. Que tu le lui demandes. Oui, aide-moi à servir au plus chaque jour. Aide-moi à te servir toujours un peu plus chaque jour. Pour me rester toujours avec ou oui, que je demeure toujours dans cette relation avec toi, dans cette intimité avec toi. M'aimer au Christ plus que jamais. Que je t'aime encore plus. Encore plus, oui, aujourd'hui qu'hier. Que mon amour pour toi, que ma dévotion pour toi, oui, que cela grandisse davantage. Oui, Seigneur. Oui, dans cette communion, dans cette intimité-là, je ne veux pas m'égarer. T'en prie, pas quitter m'égarer. Pas quitter m'égarer. Parce que yon vit pour Jésus, il baille la paix. Yon vit pour Jésus, baille repos. Repos, wap chercher. Madame, n'en doit pas capoter le bout. Petite, n'en doit pas capoter le bout. Bon travail, n'en doit pas capoter le bout. Circonstance, n'en doit pas capoter le bout. Mais yon vit pour Jésus. Baille repos. Li rete nan mwen sa ki faut. Parole li c'est la vérité, la guidée pour l'éternité. Oui, cette vie pour Jésus communique le repos. Et quand Jésus est là, donc il vient enlever tout ce qui est en nous qui serait faux. Donc sa parole c'est la vérité, vérité pour l'éternité. Belle bagaille. On vit pour Jésus, baille la joie. Yon vie pour Jésus, baille victoire.
yon vie pour Jésus. Donc la joie parce que vous sauvez par la foi. Zami yon met abandonné, mais Jésus fidèle, li va kembe. Alléluia. Yon vie pour Jésus, bam la joie. Li bam victoire. Avec li marche pas à pas. Christ est vainc, diable monde lâché. Christ est vainc, diable monde lâché. Donc, cette trinité infernale, ce trio satanique, diable monde lâché. Donc, Christ l'a vaincu. Kounia, plus que vainqueur. Ou me dites tout ça. Gloire à Dieu. Je suis plus que vainqueur. Car une vie pour Jésus, en Jésus j'ai la joie. Une vie pour Jésus communique en cette victoire. Gloire à Dieu. Et puis tu continues à chaque pas moi fait. Alors, je ne suis pas seul parce que sauvez maintenant les marchés devant moi. Gloire à Dieu. Amen. Chaque pas moi fait, sauvez m'aller devant moi. Admets-le, conduis-moi dans le bon chemin. Dans oreilles, moi parler, m'adorer. Dans la joie moi la marche avec chaque pas moi fait connaît Jésus va guider dans yon plein pis où l'y toujours mené jour tant yon jour moi va faire dernier pas moi chaque pas moi fait conduis-moi plus près de là. Les assurances, moi commence à faillir. Et devant moi, je n'ai pas les infinis. Moi vivre et j'aime, moi garde bon sauveur. Moi, lisse force moi, les moi marcher. Jésus gagne la vie en abondance. La paix qui est belle, clé à porte là. Pour lui mener, dans le pays promesse là. Chaque pas moi fait, connaît Jésus va guider. Dans yon plein pays. Constance,
Jésus gagne la vie en abondance. La paix qui est belle, Cléal ouvre porte là pour lui mener dans le pays promesse là. Alléluia. J'attends moi frère, connais Jésus ma guide, n'ayons plein de li toujours mené. Je crois un jour moi va faire n'y est pas moi. Chaque pas moi fait conduit plus près ciel là. Moi confie non Christ malgré circonstance. Jésus gagne la vie en abondance. Cléal ouvre porte là pour y mener nos pays promesses là. Chaque pas moi fait connaît Jésus ma guide. N'ayons plein de vie on lui toujours mené. Mais vivant belle bénédiction ça chaque pas moins fait connaît Jésus va guider n'ayons pleine pio les toujours menem. Les monde penser difficulté problème tête chargé à faire descendre mais spirituellement à cause de grâce Saint-Esprit dans la vie li toujours ap fèm monte yon plaine pi wo li toujours ap conduim jouk tan yon jou mwen va fè dernier pa mwen et chaque pam l'ap conduim pi prè kèl l'ap fèm découvrir plus nan li menm et même lorsque assurance nou ta vle fayi peut-être que ou ap passé a bon kota à quelque falaise. Fais bon Dieu la confiance. Fais bon Dieu la confiance. On nous dit le Seigneur merci dans moment ça. Présentement là, dans ça ou à traverser là. Dans mon fait dernière prière ça. J'aimerais vous inviter à faire cette dernière prière devant le Seigneur. Que tu lui dises, oui Seigneur, à chaque pas, je te le demande, je veux vivre toujours plus près de toi, que mon cœur se rapproche de ton cœur. Alléluia. Merci Seigneur, merci parce qu'on comprend nous, merci parce qu'on prend patience avec nous, merci parce que gagné un médicament ou déposer en dedans nous. Merci parce que ou c'est bon Dieu ça devant cas difficile yo, devant cas qui est impossible yo, devant cas à côté que médecin yo, yo pas une solution encore papa. Mais nous venons devant notre dernière prière ça nous gagnons plusieurs cas difficiles oui, nous gagnons plusieurs car Seigneur et comme auteur a dit oui si c'est pas ou même qui intervenu pour nous notre âme l'a bien vite dans la demeure du ciel lorsque nous porter tout car ça au baou.
nous pote yo n'a mande al nan maison sa yo bien-aimé sa yo ki sou cabane soit la caillo gagne ki sou cabane l'hôpital nan moment ça gagne parents yo frères yo sœurs yo proches yo wè ka ba yo tête fait mal li bay vertige souple Seigneur souple souple nous mandé touché par là nous mandé miracle par là nous mandé intervention par là nous mandé consolation par là oui c'est vous même qui bail la vie en abondance c'est vous même qui produit oui Seigneur à sur mesure grâce salvatrice et grâce qui capable fait nous expérimenter un jour nouveau merci Jésus merci papa donc sois béni dans la présence du Seigneur et aller dans la paix, aller dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Chaque pas, pas oublier que ou pas aller seul. Sauveur a marché devant. Et pas seulement devant, mais il y a à droite ou à gauche. Et il y en arrière, ça doit être bien entouré. M'ta mon quoi ça, vous êtes bien entouré et li plus que ça, li en dedans. Il vient faire demeure, il la caille. Donc, allez dans la paix du Christ. Donc, merci à tous nos bien-aimés musiciens, nos bien-aimés techniciens, nos bien-aimés qui coordonnent. Et sinon, bénissons le Seigneur pour eux. Chaque samedi soir, cette belle équipe, le Seigneur l'utilise pour que vous et moi vivions en ces moments particuliers. En sa présence. Et si vous avez des requêtes, donc continuez de nous écrire et avec joie, on va encore pendant la semaine concilier tout cela devant le Seigneur pour vous. Soyez bénis, allez dans la paix du Christ. Bon temps d'adoration. Si vous êtes du côté de Montréal, vous pouvez toujours venir adorer avec nous au 9603 boulevard Maurice Duplessis. Chaque dimanche, nous sommes là à partir de 10h du matin pour le culte d'adoration et 9h pour l'école du dimanche. 9603 boulevard Maurice Duplessis à Montréal. Donc, soyez bénis. Dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, vous ne l'avez pas encore reçu pour votre Seigneur et votre Sauveur, c'est le moment de faire la paix avec Dieu. Nous pouvons vous aider davantage. Appelez dans le 514-814-6854. Merci. Soyez bénis. Amen.